Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, et bien pour vous donner une petite explication de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Un très très joli oracle. Alors cet oracle, c'est un outil hein, pour développer nos propres capacités. Et il y a plusieurs thèmes dans cet oracle. Il y a notre âme. Dans notre quotidien, n'est-ce pas? On peut être tellement sollicité que l'on n'est plus à l'écoute de soi. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous pouvons avoir l'impression de nous déconnecter de nous. Et nous pouvons faire ou vivre des choses qui n'ont plus de sens. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous n'écoutons plus notre âme. Et avec cet oracle, eh bien, nous allons avoir le soutien pour nous connecter avec nous-mêmes. Nous avons les guides aussi. Nous avons nos guides. Et nos guides sont là pour nous épauler et nous soutenir, et surtout pour nous protéger. En tous les cas, ils ne sont pas là pour être nos serviteurs, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas là non plus pour nous apporter tout ce dont nous avons envie, car nous avons encore le libre arbitre. Et par moment, eh bien, nos envies peuvent être différentes de nos besoins. Nous pouvons aussi avoir l'impression de ne pas voir ou de ne pas comprendre leurs signes. Et avec cet oracle, eh bien, nous pourrons nous connecter avec nos guides. Avec cet oracle, vous pouvez poser des questions, n'est-ce pas? Et vous allez avoir une réponse. Alors, il y a aussi la troisième partie, sont les entités, hein, qu'on appelle, les entités, elles peuvent être directement, eh bien, attachées à nous, que ce soit en lien avec cette vie ici, que nous avons ici sur Terre, ou alors une vie précédente, elles peuvent être attachées aussi à un lieu, à un objet ou à une autre personne. Elle peut aussi être complètement étrangère. Et ces âmes ont parfois besoin de transmettre un message. Donc, ces entités ont besoin de nous transmettre un message. On peut aussi avoir une information. Avec cet oracle, nous pouvons demander et nous pouvons aussi transmettre. En tous les cas, avec cet oracle, nous avons le soutien pour nous connecter avec ces âmes. Eh bien voilà, petite explication, n'est-ce pas, de l'oracle de la voix des âmes. Je vous souhaite une belle journée, à tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 22 mai 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Nous allons continuer cette semaine avec l'oracle de la voix des âmes et on terminera par la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Mais avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé la carte soumission. Donc, ton âme vient te dire, une partie de toi, eh bien, se soumet à quelque chose
qui ne te convient pas ou qui ne te convient plus. Et tu le sais très très bien, car quand tu es seul, eh bien tu le verbalises. Je t'entends dire « Oh, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne veux pas, c'est injuste. » Et je te comprends, car je pense, eh bien, la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très, très grande fatigue. Et cette fatigue, eh bien, elle peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins, eh bien, ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette, eh bien, énergie de libération, c'est à ce moment-là que tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition. Et tu vas alors, eh bien, pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites largement. Et tout va devenir plus clair à ce moment-là. Tes guides, une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation. Un événement ou une relation qui t'a marqué et de façon très négative, et cela perturbe, eh bien, ton chakra du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres, pourtant tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là. Tout est là. Tout a une juste chose à être là. Tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Alors, eh bien, installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire. Tu peux le faire seul ou accompagné. Et connecte-toi à ton passé, visualise-le avec confiance et avec lâcher-prise, surtout avec le lâcher-prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même. Tu vas être prêt, prête pour vivre de nouvelles aventures. L'entité
je n'ai pas réussi à m'affirmer. Je n'ai pas réussi à dire non. Stop. Ou ce n'est pas ce que je souhaite. J'ai eu alors pendant très longtemps comme un goût amer. Je pensais ne pas avoir la possibilité de stopper ces schémas relationnels et de fonctionnement dans lequel j'étais. Je pensais aussi, et bien que les autres savaient mieux que moi. Alors, j'écoutais et je m'exécutais. Ce n'était pas juste pour moi, mais je me suis pardonnée. Je ne souhaite plus reproduire ce même schéma et je t'invite à faire de même. Les autres ne te connaissent pas car tu ne te montres pas tel que tu es. Les autres ne te comprennent pas car tu ne parles pas de ton cadre de référence. Je comprends tellement ce que tu ressens à l'instant. Et pourtant, ce goût de liberté est un si beau cadeau de la vie. Alors, pour toi et pour moi, libère-toi. Tes chaînes, n'est-ce pas, elles sont mentales. Tu as toutes les possibilités pour t'en libérer et pour créer tout ce que tu souhaites à ton image. Quand tu verras des fleurs, que ce soit par l'odeur, leur image, leur symbole, eh bien, cela sera un signe de ma présence et de mon soutien pour que tu puisses persévérer. Tu en es capable. Tu en es capable. Très beau message, n'est-ce pas? On termine avec la guérison des 5 blessures et aujourd'hui j'ai pigé une carte de rejet. Aujourd'hui je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne m'ait adressé la parole. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que c'est mon ego qui me fait peur à cause d'une croyance devenue inutile. Je sais qu'en réalité, je veux arriver à avoir ce genre de contact humain. Très beau message, n'est-ce pas, de la guérison ? Je vous souhaite une excellente journée et puis prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et on se retrouve demain, eh bien, pour un nouveau message. Je vous embrasse et à demain.